Since the dawn of eternity, four lights of hope have shone upon the world. Men flock to these lights, around which they build four peristylia. Each peristylium becomes their faith and society, the path upon which they are set. The vermilion bird, wings of fire to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when nine and nine meet nine, Tempest Phoenix shall be willed upon them. For without the Agito, their world, called Oriens, must persist in its spiral. In this time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come. Yes, this is the dawn of a new age. And so the Milites Empire, home to the White Peristylium, invaded the neighboring dominion of Rubrum. As soon as the declaration of war was made, the Milites main fleet swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristylium. A Lassie accompanied this task force. Using a Lassie to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all four crystal states of Oriens. The besieged Peristylium attempted to repel Milites' Magitek armors with powerful magic. Not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolons. It seemed that the Militesi offensive would fail. However, the Lassie Kunmi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalia Cheval VI, the leader of Rubrum, that he surrender and transfer the Vermilion Bird Crystal to Militesi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have 6 hours. You must comply with our demands or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal guide them to salvation. Thank you.
When 9 and 9 meet 9, the depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. Eh ben dis donc les potes, quelle cinématique. Donc les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et le début du let's play de Final Fantasy Type 0 HD. J'ai décidé de faire Final Fantasy. J'avais dit que je commencerais avec Final Fantasy 15, mais j'ai vraiment envie de faire un RPG et un Final Fantasy. Et bon, actuellement sur la One, j'ai que le Type 0 et de toute façon les autres, il n'y en a pas d'autres. Le 13, tout ça, ils sont pas en rétrocompatible. Je voulais commencer avec le 10 et le 10.2 aussi sur PS4, mais je me suis dit, bon, il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est un jeu assez connu comparé au Type 0. Donc, on va commencer avec le Type 0 et puis on va voir un peu ce que ça donne, où c'est qu'on va pouvoir aller. Donc, hop, on attaque. Qui êtes-vous? Lui. Non, je fais une nouvelle partie. Niveau normal et... Alors choisissez le niveau de difficulté. Le niveau normal recommandé pour une première partie aspire en quel que soit votre choix. Vous pourrez changer le niveau de difficulté au cours du jeu dans le menu de gestion accessible par les terminaux. Bon, on va rester en aspirant. Difficulté aspirant, niveau de difficulté normal destiné aux joueurs qui ont l'habitude des jeux d'action. Commencez le jeu en mode aspirant. Oui, allez. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle cinématique. Voilà, donc je me tais. À tout de suite, les potes. They chose their path. Yes. Not knowing the fear of death. Having never learned the fear of confronting it. Is everyone all right? Have you seen a guy? A guy with a red cape? No, I haven't. You? No. Visual! Kill them! No. Ah.
find Ace. Teacher. Teacher. I'm here. I'm right here. Isana. It's too late. I know that. I always thought that your name was weird. I'm telling you, Machina must have pulled that one out of a hat. What do you think, girl? Is this the end? Machina. Stay strong. Rem. I would have liked to see you again. DJ. I'm glad that you're here with me. No. I don't want to die. Go say goodbye, Ace. It's all right. Maiko no hashi wo to kieta kawari ni itori no
Hitomi no iro wa yoru no iro Tomei na sora to onaji kuro Tashikasa ni oite ikarete Sagashite mitsume sugita kara Kubanareta chizu ga totemo tadashiku Doko kae karata o hakonde iku Hayasugiru sekai de hagure nai youni kikasete Tada hitotsu no sono namae o Owari made anata to itai Sore igai tashika na omoi ga nai Koko de shika iki ga dekinai Nani to hiki kaete mo Mamori nukanakya Kangaru ni shiro Fumoto ni ikou Itsuka kitto Hoka ni dare mo Inai basho e Les potes, donc les cinématiques sont finies, je crois. Non, toujours pas. Si, je pense que ça va être fini là. Le jeu a l'air plutôt beau. Bon, ça fait quelques temps, j'avais déjà commencé à jouer sur une autre sauvegarde, mais j'ai pas joué beaucoup parce que j'avais plus le temps après. Donc j'ai pas fait grand chose. Alors les personnages ont chacun un bracelet de vie qui leur octroie la compétence auto-résurrection. C'est bien ça. Voulez-vous voir les messages de didacticiel durant cette mission? Putain, il est compliqué à dire ce mot là. Alors où je tourne, il est compliqué à dire hein, durant cette mission. Oui, allez. Alors déplacer le personnage L, le joystick L, déplacer la caméra le R, recentrer la caméra, on clique. Ok, donc la caméra, ouais, ok, habitué, ouais, ça passe. Alors, on attaque avec carré. Understood. May the crystal guide you. Oh, attendez. Ah ouais. Enfin, X, c'est les cartes. Tirage spécial, c'est A. Ok. Attends, je comprends pas trop. Alors, sortir son arme et attaquer. Attention, vous subissez plus de dégâts quand votre arme est rangée. Pour modifier la configuration des commandes, appuyez sur la touche avec trois traits et sélectionnez l'option commande dans l'onglet réglage. Je ne me rappelle plus du nom de la touche. Ok. Ouais, le mur c'est B. B, B. Ça veut pas ou quoi? Ok. Récolter l'anima des ennemis vaincus en appuyant sur X quand la cible est verrouillée sur l'un d'eux. Utilisez d'abord RB sur la cible si elle n'est pas verrouillée. Récolter un anima permet de récolter une anima permet de récupérer des PM nécessitant l'utilisation des sorts mais aussi d'affliger des gaz ennemis proches d'elle. Ok. Alors, attends.
Ok, d'accord, on met comme ça le mur. Vous pouvez désactiver les murs d'énergie qui vous bloquent le passage, remplissant certaines conditions comme vaincre le leader ennemi ou récolter de l'anima. Ok, commande de ciblage RB. On a changé de cible, cible un ennemi Q, ok, ok. Alors, les personnages récupèrent des PV automatiquement quand ils sont immobiles. La vitesse de régénération augmente quand vous rangez leur arme avec LB ainsi que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis aux alentours. Esquivez les attaques en appuyant sur L plus B. Allez hop, niveau augmenté. Vous pouvez passer d'un personnage actif à l'autre avec la flèche directionnelle en dépensant une petite portion de la jauge de compétences qui est affichée au-dessus des commandes. Ok, quand vous verrez un ennemi avec RB, une marque jaune ou rouge apparaît sur lui à l'instant où il est vulnérable. Une marque jaune est une marque critique, elle permet d'infliger plus de dégâts. Une marque rouge est une marque fatale, elle permet de vaincre la cible d'un coup. C'est pas mal ça. Hop, absorber l'anima. Ok, donc on continue. Certains groupes d'ennemis ont un leader marqué d'un icône spécial. Si vous vainquez un leader, ses subalternes s'enfuient ou se rendent. Tuer, c'est pas évident. Hein. Les ennemis dont vous avez vaincu le leader fuient et sont affligés d'une marque fatale. Ceux qui réussissent pas à fuir se rendent. Appuyez sur A, peu d'ennemis qui s'est rendu pour le fouiller et obtenir un objet. Ok, donc lui il se rend. Obtenez une ration machin. Ok. Marcher sur un pentacle de régénération permet de faire remonter les PV, les PM et la JC des personnages. Ok, donc ça c'est plus rapide. Ah, petite vidéo à mon avis. Non, même pas. Alors certains sorts peuvent être lancés instantanément en appuyant sur la touche correspondante, mais d'autres nécessitent de maintenir la touche pendant le temps d'incantation puis de la relâcher. Maintenir la touche plus longtemps permet aussi d'incanter une version supérieure d'un sort. Quand un personnage peut l'utiliser. Ok. Hop, niveau gagné. Quand vous voulez récolter l'anima d'un ennemi en plein combat, appuyez sur R pour cibler en priorité. Utilisez d'abord RB si la cible n'est pas l'ennemi. Oh, je l'ai tué direct. Chaque personnage a des compétences spécifiques. La plupart de ces compétences ont un coût en jauge de compétences. Pour faire remonter la jauge de compétences, il faut infliger des dégâts aux ennemis. Ok, donc il y a beaucoup de choses à retenir là, direct en commençant là. C'est pas évident de s'y retrouver. On fouille un petit peu. Hop, victoire de plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, au calme.
C'est quoi cette affaire? What the hell? Such powerful magic. Oh, je me suis fait déchirer. It's my turn. Crush him. Leave it to me. Time to get out. It's my turn. Crush him. I got this. Eh non. It's my turn. Crush him. I got this. Bon, j'ai essayé d'avancer, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il just ran away. Ok, c'est un petit peu chelou. Ok. La flèche indique des boutons, leviers et autres objets de l'environnement sur lequel vous pouvez agir. Appuyez sur A pour effectuer l'action qui s'affiche lorsque vous approchez d'un tel objet. Allez. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a derrière. We've spotted the enemy unit. Nous avons repéré l'unité en question. Nous engageons le combat, soldat impérial. Prepare for landing. Queen here. What is it? Just testing the line. Keep the lines clear of your nonsense. Nonsense? What about you? The operation is proceeding as planned. Same here. Same. Allez, what voilà, niveau gagné. Et je passe niveau 8. Ça c'est bon. 8. Les mecs, ils n'arrivent pas à passer autrement. Well, sounds like we're on schedule. Je meurs. 2, 3, 4. Now. No. On peut mourir. On peut péter les cartes. Hein. Hop, attraper l'anima. Ça c'est fait. Allez hop. Absorbe, donne-moi ton anima mon petit. Allez, allez. Voilà. Donne-moi ça. Merci pour l'anima. Ah, petite vidéo, je crois. The counter-attack took the Empire by surprise. And the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Class Zero, do you read me? This is Intel. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. Oh, me revoilà. Donc, it's inside the Militesi flagship in the airship docking bay. Head there immediately. Ok. Le premier brouilleur est dans le vaisseau amiral impérial Kupo. Allez à l'aérodrome pour monter à son bord Kupo. Ok. Utilisez les
Utiliser les reliques mnémoniques pour accéder au menu de gestion de l'équipe qui permet notamment de sauvegarder votre partie. Ça, c'est pas con, ça. Voilà, un petit retruc. Voilà, personnage actif, hors de basique personnage, équipement. On va sauvegarder, ça sera pas mal. Sauvegarde du fichier système. Oui, on va écraser ces données. Voilà. Équipement, amélioration, compétences, caractéristiques. Vous n'avez pas d'objet d'amélioration, ok, compétences. Ace. Acuité, 3 points. Alors j'ai combien? Allez, j'ai 7 points compétences en haut. Vous voyez, marqué petit 7P à côté de niveau 8. Donc je peux acheter attaque prolongée. C'est quoi? Ça permet de faire une quatrième attaque lors d'un combo. L'attaque normale. Tirage vital, sortir jusqu'à 4 cartes pour terminer l'effet de la prochaine attaque, carte de PV plus nombreuse. C'est pas très très intéressant. Là, on a 7 aussi. On va lui apprendre un peu plus de rapidité, compétences acquises. Acquine 7. Hop, on va lui apprendre ça. On va lui apprendre ça. Et bah c'est bon, on pourra pas lui apprendre autre chose. Et moi je vais apprendre attaque prolongée, ouais. Allez, ça peut être pas mal ça. Nouvelle technique, attaque rapprochée. Équipement. Je préfère le feu personnellement. Personnage actif. Voilà, on va sauvegarder du coup. On va refaire une sauvegarde. Parce que du coup on a amélioré les persos, tout ça, donc on va éviter de tout devoir refaire. Voilà. Ok, donc là normalement on est bon. Donc ben, les potes, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein, on va reprendre après pour la suite du let's play. Parce que j'ai bien envie de savoir la suite en fait. Au premier abord, quand j'avais testé le premier coup sur comme ça, une fois que je l'avais acheté le jeu en fait. J'avais pas trop accroché, mais en fait finalement je le trouve plutôt sympa. Du moins pour le moment, on va voir sur la suite. Bon, graphiquement c'est un portage PSP, donc bon, ça se voit quand même. C'est pas à la hauteur des notamment Final Fantasy XIII, etc. Mais bon, ça reste pas dégueu, hein. Donc on va voir un peu comment le jeu va être, s'il va être bien, intéressant niveau scénario ou pas, parce que voilà, les Final Fantasy, c'est vraiment ce que j'aime niveau scénario. Et on va voir un peu si celui-là il est bien ou pas. Donc pour le moment c'est un univers quand même assez chaotique, hein, et noir, et j'aime bien, franchement j'aime bien, donc à voir. A voir, à voir. Et toi, t'es l'invoque du début qui s'est fait savater là. On dirait Bahamut, non? Je sais pas. Donc voilà, bon ben les potes, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous l'avez pas aimé, bah lâchez un like quand même, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, enfin, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, parce que comme vous pouvez constater, je sors énormément de vidéos de pas mal de jeux, donc ça va continuer, vous inquiétez pas. Donc voilà les potes, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La beast. Like death ocean, empty notion. Like a roaring ocean, slow in motion. Lay down your trust.